Mes amis, tendez causé. Gros drame dans prison civile Gonaïve. Plus que 20 prisonniers mouri en babal dans moment yo t'a tenté chaper pou yo. C'est-à-dire dans cadre yon évasion. Et gen en pile l'autre qui blessé mais comme ça tout, gen pile qui quitté prison hein, qui nan maron, c'est-à-dire yo sauvé. M'bral bon tout détail et m'a tout annoncé nous. Président pays Salvador qui c'est Naïm Bukele li annoncé li vle aider Haïti combattre gang qui a tout pizi nous li vle que taux criminalité a li vle aider nous pour capable très diminuer même gens li fait ça dans pays en tout cas jouet pour Ariel Henry qui t'aime tout dit ou pendant ou écouter là jusqu'à moment m'a parlé avec nous là selon information de bonne source que nous gagnons cadavre 6 policiers que bandi ça vient nèg grand griffio te vini yo tué policier yo nan sous commissariat li an koua nèg yo te joine chance pour rentrer nan ça vient avec 6 policiers si la yo nèg yo pas enterré policier yo nèg yo lagué policier à terre nan la rue ça vient et selon information jusqu'à présent ces chiens cap distrait yo nan corps qui déjà tombé en pourriti bagala compliqué net et qui t'aime tout di ou mes chers amis barrière sous commissariat li en quoi li en bas cadena après attaque là pas de aucun policier qui choisi vin travail parce que yo estimé que vio totalement en danger. Yo estime que si yo vin travay cette fois-ci nèg sa yo ka vini, yo ale avec tout policier net qui en dans espace là. Qui donc nan moment m'a parle avec nous là, barrière ya, li gen cadenas là-dedans, tout policier yo rete koyo yap kouri pour vent insécurité ya. Si yo, on paye tête en bas, on paye droite et gauche. Mes chers amis, ayer gen un drame qui passait dans prison civile Gonaïve. Côté nan moment tout moun nan la ri gen policier mete avec population an yo t'a revendiqué suite avec attaque que bandi sa vient au fait sous policier yo et qui la cause 7 la de mouri gen on c'est l'hôpital là mouri appel définitif ou bal nan men bandi yo ben ça t'a pral frété colère population ensemble avec quelques agents policiers yo t'a occupé la rigo naïve capable dit grand noir en soi, il était vraiment en bouleversement, même besoin de parler pour Port-au-Prince. Ariel Henry, si en bas coup de balle l'entrée la caille. Elle se reprend tellement bagarre là, c'est compliqué. Même bagarre dire ou si c'est ça qui est préoccupé policier qui t'a surveillé prison civile Gonaïve là, eh bien prisonnier même qui gagne quelque temps en dedans, il a besoin pour un petit soleil, comprendre mais qui école pas l'école comprendre. Il était toujours un petit accès pour profiler koyo. Pour yon wè si yon te ka tout krasé prison civile Gonaïve. Et dans même moment, gros turbulence, gros déblousaille a fait en dans prison civile là. Et puis, porte prison an, li ouvri largement large. Ça que t'as facilité, en pile prisonnier te ga on al tente pour yon sauver, pour yon quitter prison, pour yon prendre route trajet dans l'optique, c'est-à-dire pour yon vin évadé. Mais mes chers amis, j'entends des nouvelles là dans le commencement de l'émission, c'est comme ça qu'il y a. Environ on vingtaine prisonniers tombés en bas coup de balle la police et faut me dire ou gien juste dans moment m'a parlé avec nous avant même émission ça enregistré il y a un cadavre jeune garçon derrière de commissariat ou bien m'a dit prison civile Gonaïve là est-ce que vous comprenez et gien pilote qui blessé gien pilote mes chers amis bon tu as supposé aller mourir enragé parce que malgré au prend balle il a essayé résister il a couru. Mais comme ça tout, m'bagi effectif prisonnier qui te gen une chance pour yo quitter prison an, sain et sauf pour yo soit à rejoindre famille yo, ou bien nan maron parce que les bousons évadés tout ou ta depuis la police a fait travail comme ça doit
yo ta supposé tout lancer un avis de recherche pour ta derrière pour ta comprendre pour joindre nous et pays d'Haïti son plan mais que lié on nous ouais là ouais met avis de recherche pour comprendre c'est vle ou vle ou bien y a qui te manger on prend manger petit patate et si ça vient breti gogo son comprendre pour besoin privé sous mais gèlè pas même bagaille lié non pour moucher Félix Badio bon ça sont l'autre dossier mes chers amis en tout cas bagaille compliqué. Qui t'aime tout bon, ça comme yon, m'capable di information ça, m'ap ajoute l, pour ou m'ap boli comme un petit dégui, te suppose genyen en conférence pour la presse, que Direction Générale Police Nationale d'Haïti te doué fait. Mais m'baka dou sak passe, yon pa fel, parce que nan moment tout policier, alors pi fort policier, campé en mode rébellion. C'est-à-dire, policier très rebelle, nan moment m'ap parle avec nous là, et yon mande, pour capable CSPN nan conseil supérieur police nationale là pour yo dégager au coin M. Jean-Jacques pour yo voir comment yo capable prendre responsabilité yo parce que pour yo même dit c'est trop à trop policier pas cap tomber nan façon ça qui donc jusqu'à nouvel ordre ba konnen et mes chers amis et qui ça la cause conférence là pas faite mais m capable dire bureau communication PNH a annoncé que conférence là li annulé ba konn pour qui l'est Yoban yo pral fixer là pour capable bay confiance et moi-même si me la me question m'd'a poser yo. Ba la compliqué. Gen en pile monde mes chers amis qui vraiment gen kè sauté nan moment m'a parler avec nous là parce que si celle green force que n'gen là malgré tout son tendé qui campé diam pour goumer avec bandi et parfois k'a fait job, c'est pas même yo que t'as supposé faire non, mais c'est soldat. On voit Haïti qui t'a supposé faire bon comme nous gon là mais là c'est qu'on a n'a regardé s'il carrément vrai et se comprendre mais mes chers amis qui t'aime dire pendant pays en bouleverse le monde entier et se comprendre j'ai international la braqué sous pays d'Haïti et c'est dans sens ça gagné président Salvador qui c'est Naïm Boukele monsieur ça li font sorti li font garder bagaille qui a passé Haïti. L'el gade pèl ki se Salvador, pou sak tap passe Salvador, vinil vini, bandi en bakod, roban plizye policier, soldat, mobilize, même yon fèt, yon pa konnen, yon nan la, yon pa jam pranjou konje, pou yon kapab mache alde bandi, kel ke swa kote bandi a kache, pou yon demantle goup armé, bien, Naïm Boukele, li fè konnen, li vle ede peyi d'Haïti sorti nan sa ke l trouve l jounen jodi a ki se insécurité. Li vle ede peyi a combat taux de criminalité kap augmente au jour le jour chaque jour plus nan peyi d'Haïti. Et pour sa fête li mande fòl ta gon bureau, son pran ki pou ta installer nan peyi d'Haïti pou l travay de concert ensemble avec gouvernement si toutefois yo vle et pou capable résoudre problème sa mes chers amis, on prend qui dire depuis un bon bout de temps et jusqu'à présent, m pa wè ki formule, m pa wè pa ki manière pour nous sortir kon nou nan sa kenye la. Et bien Naïm Boukele mes chers amis, il fait qu'on est livré aider gouvernement réduit taux criminalité qui très élevé dans pays d'Haïti. Mais qu'on y a Naïm, peut-être gen ba ou pa konn ou pa haïtien. Bon me poser question ça et me penser population a répondre pour. Est-ce que bandit gen nan pays là? Yo pa gon met. Ça important. Est-ce que taux criminalité cap augmenter chaque jour plus là? Est-ce que c'est bon profit qui lié pour nèg soi-disant qui composait gouvernement haïtien qui composait administration haïtienne là? On met le comme ça. Est-ce que ça gagne la Haïti à là mes chers amis pour pays cap dire c'est pays super pays allié, pays où on prend des boules grain nous mes chers amis, permettez-moi l'expression et pour montre tellement acquaintance là fort. Est-ce que pays ça yo tout si yo te vle aider nous t'a quitter ou même Naïm pou ta on pou ta vinn aider nous la pou ta proposer va l'autre pays proposer yo pa me di rien c'est parce que ça qu'a fait là li nan intérêt yo li nan avantage yo gardez là nous dépenser combien millions de dollars pour acheter char blindé machine blindé pour PNH là machine yo juste à essayer sortande a gagne on bon bras sous bras ça gagne bandi arrivé boulé gagne pèsé en babal. Est-ce que vous pensez si tu as une volonté politique, bandit ça au capitaine et bandit à Jamfel, et vous pas ouais longtemps que vous êtes entré dans la même logique là, tout oui. Est-ce que vous comprenez dupé, mais je ne j'ai pas dit, j'ai Jean Calé. Je ne sais dit, la police là, il y a assez de matériel, mais mentor, l'homme font aller, je me dis, que matériel que la police a gagné, si bandit vous avez matériel, ça, les qu'on ça paye d'être pas gagné encore. Là comme ça vous prendre ces bandits qui t'a dirigé pays à ces bandits qui t'a composé et capable dire administration pays d'Haïti si on te gain matériel que la police gain en main là en tout cas faut me dire nous
puisque c'est une institution qui est vraiment hiérarchisée, c'est parce que pas gagne l'autre, pas gagne volonté politique qui fait policier pour capacité à l'action. Et les policiers tout un bandit et on moun cap défendre droit moun. Mettez avec ou état major, yo sanctionné policier et même capable faire policier à perdre ville parce que yo révoqué lui prend zam nan mel. Kounya li vin ap marché demain libre devant bandit malgré zam lan passé fini pour ta protéger mais comme elle te ka fond défense. Est-ce que vous comprenez? Et ben les bandits li même c'est lui même qui touye policier yo bay au champ pour bandit yo remonter l'argent de plus yo bal yo bal un bonus mes chers amis. En tout cas bagala compliqué, bagala vraiment drôle. M'a tant réponse Ariel Henry parce qu'elle te dit pas capable. Il te levé 2000 balles et m'a capable dit bye et mouche Joe Biden pour le dire Joe, mouche m'a pas capable non. Vraiment là, c'est m'fatigué oui. Gat son café et au prend dossier là pour vous en force militaire étrangère. Il a fait tout la lito, il a dit non engagé ça. Quand ça engagé là, bon bah là, une pidement rond, mais policiers, commissaires, il a fait à cause de insécurité ou d'engagé. N'a dégagé. En tout cas, réponse non, peuple haïtien, li nanmen Ariel Henry pour le bail, yon réponse qui t'a supposé. Et nan avantage, chaque haïtien qui ou nan pays d'Haïti, qui ou l'autre bord de l'eau, mais c'est haïtien quand même, pour ta wè comment Naïm Boukele qui se président pays Salvador, pour ta travail de conscience avec le gouvernement actuel qui Ariel Henry nan tête liya, pour yon wè comment yon capable de combattre la criminalité. Cap augmenter chaque jour plus. Yo les petits nèg en tout prêt là. Voir information s'oublier, relé me voir information tout coup. Est-ce que vous comprenez? Pas oublier non qui concernait ensemble de policiers qui victimes yo. T'as fait l'aviron des dé sur internet là. Côté information fait quoi que gagnent pas moins de 6 policiers Udmo qui perdu la vie, qui tombé en babal bandi. Et que bandi rentre avec yon nan base yon, bandi tire yon, et bandi fait vidéo yon, lagi sur réseau social yon. Ça nous rappelle un petit peu la date du 12 mars 2021. Et si nous songeons bien lundi, à devine là, nous sommes retournés sur incident malheureux ça, qui était produit dans la date vendredi 12 mars 2021. Qui t'a coûté la vie à moins de 5 policiers qui étaient constitués majoritairement de l'unité d'élite de la PNH, soit TIM. Et si nous songeons bien, nous venons là pour nous expliquer que Jean, l'État haïtien, à travers le CSPN, t'a géré dossier ça. Jean, le haut commandement de la police nationale d'Haïti, de gérer dossier ça, de conclure que les constitués ont très mauvais précédent pour le pays d'une façon générale, pour la police nationale d'Haïti d'une façon particulière. Et si nous regardons bien, entre 2021 et 2023, ça, côté n'a pas parlé là, nèg examio pas bail policier aucun valet. Au contraire, tout y est un policier vient presque tout non thérapie pour un bandit armé. C'est tellement vrai, je dis à qui ça a eu comme pratique. À chaque fois, il y a une chance assassiner, il y a une chance tirer un policier. Premier réflexe là, c'est prendre un policier, c'est traîner, mener en basio. Si vous pas boulé, il y a un cadavre là. Donc, je dis à la, nous en mesure ou bien nous en droit pour nous reposer certaines questions, sans vouloir nous répéter. Est-ce que nous avons quitté ça aller pour le river côté le river? Jean, vous avez dit dans le langage de la RIA, est-ce que nous avons quitté qu'on pas marché? Est-ce que nous avons interpellé, nous avons préoccupé et nous avons pris les décisions qui s'imposent pour éviter le pire, ou bien attendre tout simplement c'est les pires l'arrivée qu'on y a, pour nous bral dire nous dépasser par les événements, pour nous bral dire nous pas gain moyen, pour nous bral dire nous pas capable. Matin, hein, moi vle dit qui ça. Dans le cadre d'un échange de tir, dans le cadre d'une opération policière, ça qui arrive dans n'importe pays sous la terre bénie, un policier victime. Jusque-là, nous n'avons pas de problème avec ça.
Jean, yo ta capable dire ka gen dommage collatéral. Moun ka tombé nan kambandi yo, policier ka tombé et gen de moun tout nan population civile la ki ka tombé. C'est pas parce que nous dit son fait normal que doit mourir. Et de l'autre côté nous pas dit tout un tel plus ka mourir que un tel ou bien un tel doit mourir un tel pas doit mourir. C'est pas la nouye d'ailleurs, droit à la vie, son droit naturel et qui attribue à tout être humain. Mais cependant, si au terme d'une opération, il paraît un échec pour la police nationale d'Haïti, parce que tout simplement, ils ont compté des blessés, des cadavres, qui n'ont pas dû compter d'ailleurs, tout ça, mon apten, c'est qui ça, réaction ou bien réaction pour allier. Est-ce que policier a fini mourir dans l'opération ça ou bien policier a fini tomber et puis institution police là prend membre le virer dollar les ville dit bon c'est fini nous tournons page là bon c'est bien malheureux policier tombé et puis la vie continue ou bien est-ce que il a pral prendre radar yo à la veille et puis yo prend ça comme un stimulant pour bailler une réponse musclée à intervention que vous avez fait avant qui était soldé par la mort ou bien blessure au policier. Mais qu'est-ce que ça me veut dire en d'autres termes, amis auditeurs? Moi-même, je ne suis pas venu là pour me dire c'est X ou bien Y qui fait policier ou mourir dans l'opération ou bien dans l'exercice fonctionnel. Je suis même là à regarder qui qualité opération qui était planifiée, comment vous avez coordonné. Opération 1, est-ce que tu as des failles? Bon, même là, pour les questions techniques, ce n'est pas champ de compétence. Moi. Mais moi-même, comme observateur relativement avisé, je dois pour me dire qui gestion que monsieur a fait à chaque fois qu'on va arriver. Et je pense que, je dis à Sanab vive là, côté des policiers, a assassiné en série. Et on parle pendant seulement le mois de janvier 2023 de près d'une quinzaine de policiers. On parle d'une dizaine de policiers en moins de 8 jours. Moi, je pense que ces gens, ni l'État à travers CSPN, ces gens, ni au commandement, gérer l'après-drame, eh bien, qui vient faire que jodia, tout le monde s'est révolté, s'est indigné et a estimé que ni l'État, ni institution police là, pas bail policier réglé en rien pour yo. Parce que qui ça moun a pas tann? Si y a une opération qui fait dans base un groupe armé. Et puis il y a des policiers qui mouri. Cadavre policier dans mes bandits yo, nous pas roué gagner des efforts qui déployé bon côté au gradé pour dire nous pas quitter cadavre la faut aller d'elle. Ça c'est un. Et deuxièmement, ou pas senti après policier fin mouri dans opération sa yo au commandement préoccupé au point pour dit n'a pas planifié une réponse à ça et me pense jodi a sindé prend dossier village de Dieu comme leçon et pour nous te dit nous pas quitter corps policier au côté pour nous te dit nous pral bay monsieur bandio une réponse qui musclée qui appropriée. Nous pas gagner non seulement quantité de policiers qui mourent pendant 2021-2022, mais nous pas gagner tout ça qui s'est passé là, ni Bétionville, et ça qui s'est passé là récemment hier soir au niveau de Moreau dans Liancourt. Et pas oublier, moi j'étais venu là lundi matin, moi j'étais adressé à commandant en chef de la police, là, M. Franz LB. Je dis, M. LB, si vous quittez, ça prend les cons là. Policier a plein de mourir comme ça là et pas gagner des réponses qui bail la police pas prend ça à cœur CSPN n'a pas réuni sous lui pour faire de lui une préoccupation pour prendre les dispositions nécessaires appropriées moi dit monsieur Elbegue quatre bagages qui est arrivé et madame monsieur m'a pour retourner sur quatre bagages ça encore m'a persisté sur eux encore au moins là on commence à river mais si on t'arrivé yo t'a dit si Johnny Ferdinand on fois t'es parlé de lui. Mais quatre bagages encore une fois, m'te dit qu'il était arrivé. Si on continue, accepter policier à tomber dans condition ça et pas jamais aucune réponse qui baille. Des doux pour assister à des policiers qui peuvent rentrer automatiquement en rébellion. Ils pas prêts à prendre l'ordre dans mes chefs. Encore, nous d'accord et nous connaissons que police station corps qui hiérarchisé.
Ça veut dire, pour un agent agir, l'ordre là obligé de sortir en haut. Même si, yo dit ou, policier a tout pas le droit obéir à un ordre manifestement illégal. Eh bien, si ça continue comme ça, amis auditeurs, nous pourrons jouer dans plusieurs commissariats dans le pays. Nous pourrons jouer dans plusieurs unités dans le pays. Il y a des policiers qui pourront commencer à prendre l'ordre dans les supérieurs hiérarchiques. Nous avons dit, France LB, si les policiers continuent à mourir dans la condition ça, si les bandits continuent à humilier les policiers dans la condition ça, nous pourrons assister à un manque d'intérêt. Bon côté agent qui décide de rester dans l'institution. Qui ça m'explique par manque d'intérêt? Son policier qui a droit pour qu'on ait l'autre alternative. Et puis qui accepte à défendre un chèque dans la police là, mais en réalité, qui n'est pas animé d'aucun sentiment pour défendre ni l'institution ni le pays. Son policier qui a droit dans la rue à uniforme sous lui, et puis qu'on déblose à une zone, il tape vini en direction de déblose à la casse tête tourné, il dit qu'il n'y a pas le bail moun tout yel. Il veut bousser chemin, il passe de l'autre côté qui n'a pas de problème. Ou pour l'assister à un modèle de policier, ça y est. Ça veut dire, il va rentrer tête dans une série de bagailles, il va mettre tête dans une série de situations compromettantes, ni pour le pays, ni pour la police. Ou pour l'assister avec un policier, ça y est, dans les jours à venir. Troisième bagaille, c'est ça, les désertions ou bien abandon, tout carrément. Ou pour les policiers qui juste levé bon matin, ils ont lavé, mais ils ont crasé, quitté ça. Soit y a le fond l'autre bagaille, soit yo juste pas le travail encore, soit yo juste quitter pays ya. Yo ka en République Dominicaine, yo ka passer tout l'autre côté nous connaît yo et yo capable tout carrément et faire fil pour yo dans programme monsieur Biden nan. Et me dit quatrième élément. Et c'est ça me pense qui ka dangereux pour pays ya. Ou ka joindre des policiers qui regroupé yo qui dit frère Damio pas perdu la vie dans condition ça et yo décider bailler une réponse à un groupe armé, généralement quelconque. Tout dépend de qui groupe qui est en question. Laisse ça, ou pral aller tout droit vers le même scénario de 2019, si m'a trompé, côté de gagner, ça me les fantômes 509 là. Laisse ça, ou pral agir hors la loi. Ou pral dire, ou c'est des bandits, ou bien c'est des terroristes, ou bien c'est pas qu'on de n'importe quoi. Mais qu'on y a là, la grande question à se poser ce matin. Est-ce que ne pas qu'à éviter ça, n'a jamais géré chaque fois il y a des policiers qui tombent dans la condition ça. Moi je pense oui. Est-ce que son manque de volonté pas gagné ou bien une complicité entre l'État central à travers le CSPN et le haut commandement de la police avec bandits pour permettre que policiers a mouru dans la condition ça. Et je pense que c'est indignant, c'est révoltant. Je dis à la li pas normal pour une guerre ouverte que monsieur Axamio ça les bandits déclaré à policiers et puis pour ni CSPN n'a pas entendu bon diligence qui fait là pour go CSPN spécial qui organisé sous question côté sujet ça lié à l'ordre du jour et lui au premier plan m'a attendu bagarre comme ça. Au contraire, monsieur Ariel Henry en Argentine, il t'a le flanel, t'a le bois du vin, il t'a descendre tête devant papa blanc, alors que c'est monsieur ça qui non seulement président CSPN là, mais c'est lui également qui jouait rôle de ministre intérieur et des collectivités territoriales là, un deuxième personnage important en dans CSPN. Donc ça pas dans priorité, ça pas dire rien son nèg qui sous la lune qui pas rien pour avec Haïti. Fantôme 609. En pile monde te ouais, comment ça te fait mal à pays? Comment ça te paraît déshonorant pour l'institution policière? Mais me penser, ces gens de bouton ça yo nous mal prend soin yo, ou bien nous pas prend soin yo du tout et qui pral ban nous malin bi devant les ça nous braler au secours, nous dépasser par les événements, nous pas gen moyen, nous pas ceci, nous pas bise, alors que nous devons droit éviter avant. Même j'aime t'ap dit ça à un ami hier soir dans Chavenne, zami an dit mais est-ce qu'il me pensait que c'est France LB qui la cause policier al mouri? Moi dit oui et non. Pour qui ça me dit oui? Me dit oui parce que si gagnent des policiers qui étaient morts déjà dans des conditions similaires et que au commandement te prend ça à cœur, l'ité gérer le gens pour te gérer là, l'opinion publique t'a pour lui. Ils vont dire son fait normal que policier qui a mouru non, mais t'a dit c'était dans l'ordre des cas possibles que un policier t'est tombé dans l'opération. Mais qu'on y a là qui sa institution la police l'a fait après. Yo pral sorti note, yo pral voyer sympathie, yo pral visiter famille policier yo, et puis après 1 semaine, 2 semaines, ça s'arrête là.
petit policier ça qu'on y a là, il va laguer dans la rue. Bon peuple pral jambe tête yo, yo pral l'école encore, c'est plaidoirie pral faire toute journée dans la radio, maman ti moun pral défiler là presque chaque matin dans l'espace là pour venir dire comme ça, mais qui ça au commandement de promettre yo pas jambe yo. C'est ça ne voulait. À chaque fois qu'on situation comme ça qui produit m'a reprendre ni encore. Li renforcer bandi yo et li fragiliser institution la police là, li démoraliser policier yo. Parce que si nous bien gardé pendant toute semaine là où est une présence policière qui diminuait et que des zones où pas remarqué policier du tout, notamment zone moins fait pour me venir là pas un policier depuis 3 jours. Alors que tu qu'on gagne des points fixes presque chaque jour bon Dieu mettait là devant nous. Donc est-ce que ça c'est pas conséquence comportement au commandement, comportement l'état par rapport à cette situation qui a pris cher en dans pays là, on pas connaît. Mais ça fait donner c'est pas ça. Donc m'a fini matin m'a vite trop long pour me dire monsieur qui soi-disant a touché l'argent pays là pour bailler une série de services ou bien pour réfléchir sur une série de problèmes, pour porter solution à une série de problèmes, nous avons deux choix. C'est peut-être nous prendre l'argent, nous travailler pour lui. C'est peut-être nous accepter prendre les dispositions, prendre les mesures pour nous dire OK, nous pas aller plus loin que ça et que n'a fermé vanna là ou bien tout carrément nous accepter que le pays est en mode d'anarchie totale et puis démissionner purement et carrément. France LB, si jamais vous estimez qu'il y a des problèmes, la police a fait face à un coup pas capoter éléments de solution yo. Ou bien les solutions pour proprement dites, mon ami, moi invite ou fait yon ou bien l'autre dans sa m'sot di yo là. Soit ou dit OK, bagala dépasse ou te ge volonté, ou te vle venir avec des solutions, ou te vle gérer par exemple l'autre gens, mais comme ou ou gen blocage ou gen des barrières, mon cher, ou quitte ça là. Et m'passe ou ap sorti grand. Mais si vous acceptez que nos logiques d'attachement à job là, si vous acceptez que nos logiques pour continuer à bénéficier de privilèges en tant que directeur général, alors que problème yo, s'il a détérioré ma figure là, l'histoire aura retenu M. LB que la police ta te perd son paquet de policiers dans conditions sérieux, pas d'administration là. Et l'histoire a jugé où? Au même titre que me pensais, l'histoire est pour juger Léon Charles, qui passait pendant 2 fois dans tête la police ta et qui fait la police ta beaucoup plus de mal que de bien. À vous de choisir, M. LB. Et il en est de même pour ce monsieur qui est Ariel Henry, le tout puissant Henri Ier, qui je dis à ses présidents CSPN, ça qui est quasiment inexistant, pour me dire inexistant tout carrément. Vous avez 2 choix, mon frère. C'est soit accepter, dit la République. Mon cher, vous avez fait un monnaie là, vous avez espéré un petit résultat pour monnaie. Comme résultat, vous avez venu, et que vous pensez à l'âge où, 74 ans, vous avez qu'on espéré millionnaire ou bien riche encore, ou avez de quoi vous vivre comme un médecin professionnel qui fait carrière, li, comme un qui est en politique depuis quelque temps, comme ancien ministre, affaires sociales, ministre intérieur. Mon cher, vous décidé de dire pas de problème pour retirer quoi, parce que vous n'avez aucune volonté réelle pour aider les pays, ça ne font pas. Parce que c'est pas rien, on va régler là, rien. C'est pas rien, on va régler là. Mais bonjour, messieurs, dames. Drame qui arrivait hier dans la Tibonite, là, Lianco a fait nous revivre le drame qui est arrivé dans le village de Dieu. Ça a gagné plus passé. Et l'année en pile, on a posé cette question si l'État a envoyé un signal à partir de ça qui est arrivé dans le village de Dieu. Est-ce que jeudi, nous avons compté cadavres parmi les policiers? Combien de policiers encore qui doivent mourir pour l'État prendre responsabilité? C'est indignation tout partout. À travers un pays, d'abord dans le camp police nationale là, et drame ça arrivé quelques jours après un autre drame qui est arrivé dans Pétionville, côté des gagnants, 4 policiers qui étaient perdu la vie depuis l'année a commencé. La police perdu pour Pipiti 15 membres dans l'espace une semaine, 10 policiers déjà perdu la vie au chiffre. La police communiquée sous canage qui arrivait hier dans la Tibonite là, pas correspondre à l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux qui baille.
6 policiers qui mourent. Une grosse défaite pour la police nationale. La premier gros échec police là dans la Tibonite face à Gangyo la Tibonite côté nous jeunes Pifor Gangyo après région métropolitaine police là n'a coûté une première déclaration directeur départemental la Tibonite là commissaire Jean Bruce Myrtil. Oui, une seconde avant nous entendre des déclarations, commissaire Jean-Bruce Myrtil, qui a gagné pour parler avec nous tout à l'heure, mais déclaration qui a été faite bien avant ça. Première occasion, c'est premier journal pays. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti agresse mouvement réveillé pour matin. C'est pas tout, opération planifiée que le dé, c'était une attaque surprise que le dé. Et pendant la journée, la première attaque là a commencé à 7h du matin. Il a duré 1h45 côté que les policiers ont repoussé les bandits qui étaient venus attaquer le commissariat. Là-dedans, trois bandits sont tombés et ont été repliés rapidement. Deuxième attaque a fait à 10h du matin. Et tout le ça, M. Tapton et grand fort qui a sorti Gonaïve. Et l'attaque a duré 20 minutes. C'est le moment ça. Les policiers sont arrivés et là, ça, l'autre bandit, après le deuxième échec, ça a fini de prendre, ils ont regroupé. Il y a environ 150 personnes en tout qui viennent attaquer le commissariat. Et les policiers, il y a encore, qui étaient des policiers qui étaient venus en backup, qui étaient long point, qui étaient en train en difficulté, ils ont déplacé pour supporter eux-mêmes qui étaient venus en renfort. C'est là que yo prend un guet-apens côté que gen la dan yo qui blessé et blessé que yo blessé a c'est pas bandi yo qui t'est blessé yo c'est des monde qui a supporté bandi yo qui t'est tiré monsieur yo dans dos et yo t'est rendu dans clinique qui t'est plus près a pour t'aller prendre soin dans Kwamo et c'est dans l'après-midi que nous t'est toujours à parler avec policier yo t'est dit que yo en forme yo en forme tout bagaille OK. Et ils ont replié, ils ont là. C'est bien tard dans l'après-midi que nous avons pris une vidéo côté que ils ont pris monsieur dans la clinique côté que et ils ont assassiné. Son assassinat lâche, lié. Et la police, là, dans la direction départementale, là, a pris toutes mesures pour faire une réponse rapide à ce qui passe. Et j'ai déjà reçu un renfort de la direction générale. Pour que dans les jours qui viennent, la police là prend toute disposition pour sécuriser Bal Antibonite et mettre tout bandit hors d'état de nuire. Voilà pour la première déclaration, en sorte de bilan de l'opération SA qui est faite hier dans la Tibonite, responsable police qui dit que ce n'est pas ton opération planifiée. Et c'est peut-être ça qui expliquait la quantité de victimes SA dans camp la police. 6 policiers mouris. Peut-être le responsable police a fait première intervention SA, chiffre SA Kotko disponible puisque tu n'es pas de 2 blessés mais maintenant nous en mesure pour nous confirmer gagner 6 policiers qui tombés dans le cadre de opération ça hier dans le département la Tibonite avec nous commissaire divisionnaire Jean-Bruce Myrtil pour retourner sur drame ça avec plus précision puisque vous avez gagné plus d'informations concernant ça qui est passé à gagner un policier qui recevait et balle et qui n'a pas mouru par la suite et l'information fait qu'on que c'est deux mouns, la population qui était tirée sous policiers. Donc, nous gagnons avec nous directeur départemental police de la Tibonite. Et c'est la première fois que nous avons l'occasion de parler avec lui depuis l'arrivée de notre tête département. Commissaire Jean-Bruce Myrtil, directeur départemental la Tibonite police là qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Pierre-Gunel et bonjour tout le temps qui est ça qui passait hier dans le département et tout Dieu braqué sur la Tibonite et après ça nous t'est enregistré dans le village de Dieu nous a dit que c'est plus gros défaite à la police nationale là j'en connais dans le cadre d'une opération et directeur
Pensez que c'est une attaque surprise côté. C'est une attaque surprise côté attaqué des policiers qui étaient dans le commissariat. Il est vrai que nous avons gagné certaines informations qui peuvent faire croire qu'il y a une possibilité pour gagner le travail contre policiers et major Sayo. Direction départementale là, informé direction générale qui a commencé à bannir des moyens appropriés. Et tout le monde a été et attaque ça fait à la veille de ça que nous attendons que nous avons fait dans le début du week-end qui était arrivé là. Et les gens sont capables de prendre une attaque surprise là, nous connaissons et force bandits dans ça vient et nous croyons que nous avons bataillé contre longtemps donc pour parler de attaque surprise. Non, c'est à faire nous parler de l'attaque. Nous toujours contenus, nous toujours avec la danse, souvent nous présentons. C'est un gang que nous toujours combattre. Mais l'attaque qui fait là, c'est l'attaque surprise côté que vous attaquez, comme vous savez. Ça, non, ce que je dis là, c'est motivation réelle. Là. La police a enquêté sur ça. Et quel que soit le côté qui t'a fait que l'attaque s'a fait sur le commissariat, on a enquêté sur ça. Et la fin publique, et quel que soit le groupe qui t'a appelé gang ou t'a fait attaquer le commissariat, la fin publique, et on a quand même défait le dossier devant la justice. Le commissariat et bandit attaqué, c'est le commissariat Mouroa. Non, c'est le commissariat Liancourt. En Liancourt. Ok. Face à Bandio, et à coup de notre stratégie, il y a trois attaques qui faites. La première attaque là, qui fait là, Bandio subit des pertes et au filet, et nous avons fait des enquêtes de proximité. Nous correspondons dans la balle antibonique qui a dit nous qui s'est passé et bien des informations. Et nous venons deuxième fois encore vers 10h, et la police repousse encore. Et troisième fois, on est venu avec Antonio, qui était environ 150 ans, selon le commissaire qui était d'accord de l'opération. C'est une opération que mon commissaire sur place, derrière le fort là, ensuite mon commissaire principal, c'est moi qui t'a coordonné, et nous-mêmes, nous sommes là pour nous aider et toute l'assistance nécessaire pour les policiers qui ont.